Yo tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je vais hyper bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc, attendez 2 secondes, sur ma chaîne YouTube sur Battlefield Arena. Alors c'est vrai que j'avais promis une vidéo découverte du nouveau mode classé. Hein, du mode classé, vous savez, le mode qu'ils ont ajouté dans la mise à jour et non dans le DLC. Je m'étais trompé la dernière fois. Je me suis un peu renseigné. Donc voilà. Donc on a une vidéo. Donc je vais faire la vidéo découverte. Donc voilà. La vidéo découverte de ce mode-là. Donc multijoueur bien sûr. Match compétitif. Donc, oh, excusez-moi, j'étais en train de répondre. Bon voilà, là je vais vraiment me concentrer. Alors match compétitif. Donc match compétitif, c'est bah vous aurez compris, c'est genre ligue. Comment ça s'appelle la ligue sur BO3 quoi. Et donc voilà, donc bon, il y a le tournoi premium et il y a le tournoi standard. Le tournoi premium c'est bien sûr pour les joueurs de premium et standard c'est sur standard. Et en fait vous êtes classé, je crois que s'il y a 1000 positions. Alors problème c'est que lorsque vous arrêtez de jouer pendant plusieurs jours, bah, le classement il baisse. Hein. Par exemple le plus haut classement que j'ai été c'est 99. Bien, faudrait que je retrouve juste la photo pour vous prouver hein, que j'invente pas des mensonges non plus quoi. Alors, appli, jeu DVR. Donc voilà. Donc en fait, voilà, vous êtes classé. En fait, c'est du match compétitif. Hein, donc c'est des épreuves compétitives. C'est pas mal. J'aime bien. C'est assez sympa. Voilà. C'est pas mal. Donc c'est des saisons, hein. Donc là, il y a la première saison de filtré par capture d'écran. Voilà. Je l'ai là. Justement pour vous prouver que je vous mens pas. Voilà, j'étais classé 95e. Donc c'est le même tournoi, hein, saison 1, standard. Donc voilà, c'était au début aussi, voilà, donc après quelques parties, voilà, hein. Donc, ben, on va lancer, justement, on va lancer, et moi, j'ai déjà découvert, hein, mais je vais vous le faire découvrir, donc, voilà. Donc, ce mode de jeu-là, donc ce mode match compétitif, faut savoir qu'à chaque fin de partie, il faut retrouver un nouveau serveur, hein, c'est pas, voilà, ça se relance direct 3 avec les mêmes joueurs, donc ça, d'un côté, c'est aussi pas mal. Car c'est très rare que vous tombez sur les mêmes joueurs. Deuxièmement, bah, c'est des modes où vous ne réapparaissez pas. C'est pas des deathmatch. Vous n'avez pas de respawn, de vie. Voilà, c'est une balle. Une balle à un mort. Non, c'est. Voilà, c'est. T'es mort, hein, c'est tout. Hein, t'attends la prochaine manche. Voilà. C'est le premier. On gérait, c'est le premier à 9, non, mais il faut qu'il y ait un écart de 4, hein, en fait. Voilà, le premier qui a le plus grand écart de au-dessus de 4, il a gagné, quoi. Il y a 9 manches au total. Voilà. Alors là, ça va prendre un peu de temps, donc c'est serveurs qui sont un peu nuls. Ah voilà, c'est un petit peu nul en ce moment les serveurs. Voilà. Ça va prendre un peu de temps, je vais peut-être même me demander si je devrais peut-être pas couper. Hein. La vidéo pour relancer justement ce tournoi. Alors je vais en tournoi standard, hein. J'ai le premium, mais c'est juste que j'ai commencé là, donc je reste là. Je suis sergent chef. Hein. Hein. Et lorsque vous perdez, bah, vous êtes rétrogradé, bah, vous perdez des classements. Logique. Et quand vous gagnez bah, la partie, vous gagnez des classements. Logique aussi, hein. D'un côté, c'est logique. Hein. Donc voilà, c'est tout à fait logique. Alors, je vais juste couper la vidéo. Je vais vous reprendre dès que j'ai trouvé une partie. Allez, à tout de suite. À tout de suite, les amis. Revoilà. Désolé pour cette petite attente. Voilà. Pour cette coupure, excusez-moi. Voilà, j'ai enfin retrouvé un serveur au bout de 15 minutes. J'ai pas ça galéré. C'était normal aussi. Hein, voilà. Ah, tiens.
On m'a acheté. Je vais juste vérifier si tous mes armes sont nickel, nickel, nickel. Alors, on va jouer Axel là. Donc, j'ai dit quoi? MP9. Ouais, c'est ça. MP9. Allez. Donc, vous remarquez qu'on n'est pas beaucoup, hein. 55, je crois que c'est le max. Il y a du haut classé en face, hein. Il y a du haut classé, hein. Moi je suis le grade le plus bas, je crois. Un des grades les plus bas, en tout cas. J'ai pas beaucoup joué là dessus en ce moment, mais voilà. Allez, on y croit. Bonus activé. Allez, c'est parti. J'espère que je vais faire une bonne partie. Désolé si en ce moment je ne mets pas beaucoup de vidéos. Hein. Tout simplement, j'ai mis mon bac blanc, j'ai mis les épreuves orales aussi. Et tout, et aussi j'ai des problèmes de côté. Non, l'enculé! Il a tiré dans le bidon, on s'est touché. Voilà. Ouh, amigo! GG! Voilà, ça bug. Ah, je l'avais pas vu! Putain, fais chier. Bon bah, amigo, t'es tout seul là? Amigo, il est tout seul, hein, bien sûr. Pareil, je voudrais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à me suivre, hein, voilà. À me suivre, à vous abonner, à juste regarder mes vidéos. Donc voilà, c'est peut-être parce que ça commence à vous à plaire maintenant. Aussi, j'ai un peu investi dans du matériel. Maintenant, je suis en 1080p. Je peux faire des bons montages. Quand j'ai le temps, bien sûr. Bon. Quand j'ai le temps, mais voilà, là je vais bien reprendre mes vidéos régulièrement. Là, je vais, comme je vous ai dit, je vais bientôt faire une vidéo info, hein, sur ma chaîne où il y aura un planning de vidéos par semaine, nombre de vidéos par semaine qui ne devra pas être en dessous, mais qui peut me dépasser. On verra. Mais donc voilà, il y aura des lives régulièrement aussi. Je vais essayer de faire des lives aussi sur YouTube, mais ça faudra que je passe par la PS4. Donc PS4 chez mon frère ou chez des amis, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pourrais faire des lives aussi sur YouTube. Donc voilà, je vais commencer à faire un peu plus de vidéos, vous allez voir. De toute façon, voilà. Bon, ils sont combien là? Gauche, 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 gauche. Un type dans la rue principale. Non, 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 crève pas. J'en vois un par ici. Non! Oh, si, on a gagné! Alléluia! Nickel! Nickel! C'est bon ça! C'est bon ça! Ah oui, je voudrais aussi vous remercier pour la vidéo découverte du troisième DLC sur Battlefield Hardline. Ça a fait un gros carton quand même. Ça a dépassé les 200 vues en moins d'une semaine. Ouais, il faut 1 million de vues en une semaine. Certes, mais moi je suis pas encore à ce stade-là. Peut-être un jour. Hein. Mais voilà. C'est un record. Hein. Donc j'ai même eu une notification YouTube disant une de vos vidéos en quelque sorte. Une de vos vidéos sort du lot, hein, a fait plus de vues que toutes vos autres vidéos en moins d'une semaine. Voilà. Ça, c'est un...
Bip! Passer par où le mec? Oh non, il est passé par où le mec? J'ai rien compris. Butez-moi ces fumiers. J'ai rien compris. On y met un otage. Je sais même pas où il est passé le mec. Agent en approche avec un otage. Bon, faut, là, faut vraiment que. Moi, je vais arrêter de jouer avec Agent cette à terre. casse là. L'otage a besoin d'aide. Il n'y a plus de renfort disponible. Libérez les otages restants. Il joue bien, mais ce bâtard. Il joue bien, il joue bien. Allez, après j'ai ma classe opérateur que je peux jouer avec la FAMAS qui possède un viseur enfin. Justement, on n'a pas de viseur encore vu le level du jeu. Dame, de toute façon. J'ai un gros bug à chaque fois, et ça commence à me saouler. C'est un bug qui est assez chiant. Moi qui me trompe, hein. Voilà. Il repart encore des Mais otages. j'ai pas Trouvez mes et tenues. éliminez-les. Le temps file. Mes tenues s'enlèvent à chaque fois. C'est un peu casse-couille. Ça me le faisait aussi sur BF3, ça. Et au début de BF4, j'ai toujours ce bug là, c'est chiant. Ouais, bah ça m'énerve quoi, j'ai envie d'avoir mes tenues. Hein? Mes tenues quoi, bordel? Élite, voilà. On a SCG, on va mettre élite. Allez, c'est parti. Là, je vais essayer de me concentrer. C'est parti. Quoi, putain? Non! Impossible! Alors là, franchement, c'est impossible. Ce qu'il vient de faire, c'est impossible, là. Oh non, c'est du foutage de gueule. Oh là, c'est franchement, là, c'est du foutage de gueule. C'est pas possible. Le mec? Non. J'étais vraiment bien. Oh, Un otage va être libéré. alors, c'est pareil, ces Attention, bugs-là, ça me attention. pète les couilles. À chaque Agent a fois, je suis besoin de obligé de les médicaments. remettre. À toutes les unités, un officier détache un otage. Allez. Non, il y a beaucoup d'armes par rapport à avant. C'est vrai qu'on peut le dire, il y a beaucoup plus d'armes qu'avant. C'est pas mal aussi, hein. Ça a bien changé le jeu en tout cas. Il a évolué dans un bon sens parce qu'au début, il était pas si nul, mais. Voilà, je sais pas. Il manquait du contenu, maintenant ça commence à être bien rempli quoi, mais bon. Pour ceux qui l'ont toujours pas acheté, hein, on m'avait déjà posé la question dans un commentaire si ça valait le coup. Je vous conseille d'attendre un peu encore quelques mois parce que je suppose, en connaissant la marque Battlefield, qu'ils vont sortir une édition complète parce que c'est ce qu'ils ont fait à Battlefield 3. Ils ont sorti l'édition premium au bout d'un an, ils l'ont fait pour Battlefield 4 au bout d'un an, édition premium. Donc vous avez le Season Pass pour le prix du jeu, hein, tout court, donc 50 euros quoi. Bah là, ils vont sûrement le faire pour Hardline aussi, hein, dans tous les cas. Hein. Ils vont le faire aussi pour Hardline, hein, je suppose, hein, dans tous les cas. Je verrais pas pourquoi ils le feraient pas. Hein. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je me concentre. On va passer par là. Y en a un là, près d'un des points de la colline.
Libération d'otages en cours. Agent avec un otage. Couvrez-le jusqu'à la zone d'évacuation. Un officier est en train de détacher un otage. Couvrez-le. Agent et otage en approche du point d'évacuation. Assistance demandée. À toutes les unités, il reste un suspect sur place. Allez, allez. Nickel! Sauvetage réussi, j'étais dans la même zone donc nickel. Je crois que c'est moi qui l'a fait, je sais même pas. Et voilà, là on a bien joué. Bien joué, mais bon, même si ma ration est un peu pourrie, hein. Juste à préciser. Hein. Voilà, ratio un peu négatif quoi, juste à préciser. Voilà, là ma tenue elle est restée. C'est, franchement, c'est des bugs assez chiants. Mais bon, assez sympa aussi. Hein. RPK, très très bonne arme. Et je trouve que les armes, parce qu'il y a des armes que pour les flics et que pour les gangsters, et je trouve que les armes que pour les gangsters sont extrêmement non. Oh le fils de pute. Oh le fils de pute. Ah je l'avais pas vu. Voilà, je fais de la merde. Et voilà, franchement là, je suis un peu déçu. Donc voilà, allez, c'est parti. Par contre, je sais pas si la vidéo sera uploadée ce jour-là. Donc, moi je suis en 27 là. Donc, je sais pas si elle sera uploadée ce jour-là ou quoi. Mais bon, sinon, ça dépend du temps. Il l'a pas vu. Ah non, ça n'a mis, ça n'a mis. On a géré. C'est nickel. Allez, là, faudrait peut-être que je fasse un peu de kill, non hein. Faut bien que je cherche, hein. Non, bah non, bah oui, peut-être. Hein. Ah, je sais pas, moi. Ah, c'est vrai que là, je joue un peu mal, hein. Voilà, c'est tout. Les aléas de la vidéo, hein. Voilà, c'est tout. On va peut-être pas passer par là. Moi, je vais faire tout le tour. Premier kill de la partie. C'est papa qui le fait. C'est papa destructeur. Faites attention. Nickel, on a gagné 1-4. Je sais, ma ratio est un peu négatif. Mais bon, voilà, c'est juste la petite vidéo découverte du nouveau système de compétition. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde et à la prochaine.